une réduction dans notre célèbre salon de l'iceberg. Bienvenue à l'Institut d'Histoire Antillaise, Cyrus Kingsley. Tous les visiteurs doivent être fouillés afin de garantir la sécurité de cet endroit et de protéger notre collection. Tout le plaisir est pour moi. Il est muni d'une armure. Je dois faire une série d'attaques ciblées rapides pour pouvoir briser ses défenses. Allez vous faire voir. J'ai dit que je vous cracherais pas le morceau. J'espérais bien que tu dirais ça. Qu'est-ce que Batman fout ici ? Vous êtes sauvé pour le moment. Dieu merci. Vous pourrez le remercier plus tard. Pour l'instant, je veux que vous répondiez à ma question. Qui êtes-vous ? Désolé, Batman. Je suis flic. Gordon nous a envoyés ici. Je suis dans l'équipe de choc du 13e district. Je suis là depuis le début. Si Gordon vous envoie, vous avez le code. Bien sûr, bien sûr. Il a dit... Oh mince, c'était quoi ? Le code. Vite ! C'est ça ! Il a dit que le code était ça. Vous êtes en sécurité. Je suis Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon a toujours dit qu'il enverrait votre équipe ici. Il voulait découvrir ce qui se passait ici. Je crois qu'on a deviné. On était 10 en tout. J'espère que c'est toujours le cas. J'avais dit à Gordon que c'était trop dangereux de vous envoyer. Restez là. Si vos équipiers sont saufs, je les trouverai. Je peux utiliser un batarang télécommandé pour atteindre les interrupteurs hors de portée.
ferais pas ça si j'étais toi. Montrez-lui ce qu'on vaut. Alors, Batman, tu es là pour les flics, l'homme de glace, ou moi? À la base, je n'étais là que pour Freeze et pour les otages. Mais maintenant, je vais en profiter pour m'occuper aussi de ton cas. Oh, qu'est-ce que tu me fais peur, là? Rira bien qui rira le dernier. Ah, vraiment? Écoute, je suis ce qu'on appelle un collectionneur. Si quelqu'un veut un truc, en général, je le possède. Et si ce n'est pas le cas, je me le procure. Voilà comment ça se passe. Là-bas derrière, j'ai une vitrine avec ton nom écrit dessus, et elle n'attend plus que toi. Et, comme la chance me sourit, te voici, pile poil à l'endroit où je voulais que tu viennes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas être un gentil garçon et tu vas te laisser faire. Ce n'est plus toi qui commande ici, c'est compris? Cobblepot. J'espérais que tu répondes ça. Regarde un peu. Cette horrible bande de psychopathes ne demande qu'une chose, se joindre à moi. Mais malheureusement pour eux, je prends que les meilleurs. Et aujourd'hui, les meilleurs seront ceux qui te tueront. Toi! Venez donc, les gars. Oh, commençons l'initiation. À mort! À mort! À mort! Tu n'étais pas censé faire ça, Batman. Tu me forces à sortir l'artillerie. Oh, il n'a pas l'air content de te voir, Batman. Bonne chance.
J'ai trouvé le pingouin. Et Mr. Freeze, avez-vous localisé l'antidote? Pas encore. La situation est pire que je le pensais. Il s'avère que le pingouin a des réserves de titan. Quoi? Comment a-t-il sorti du titan de l'île d'Arkham? Qu'est-ce qui se passe? Les capteurs de votre tenue s'emballent. Merci de nous rejoindre, Oracle. Alfred, mettez Barbara au courant. Bien sûr. Mais... On se recontacte. Reste où je peux te voir, Batman. Tu ne peux pas savoir tout le mal que le vieux glaçon m'a donné. Enfin, j'ai eu ce que je voulais. C'est tout ce qui compte. Bouge pas, petit. Non. Non. Quand on aura fini, rejoins-moi dans le salon de l'iceberg pour que je puisse te mettre une nouvelle raclée. Savoure le poulet congelé. Pitié, aidez-moi. La glace semble instable. Je dois y aller doucement, prendre mon temps. Par ici, pitié! Pitié, aidez-moi! Tenez bon. Vous serez en sécurité ici.
Merci. Vous êtes du 13e district? Où est le reste de votre équipe? Il y a deux autres types dans cette pièce. Le pingouin les a congelés, puis il m'a traqué. J'ai fui. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Je m'en occupe. Restez là et réchauffez-vous. Le pingouin est dangereux. Faites attention. Ah, j'ai froid. Où le pingouin a eu cette arme? Il l'a volée à Mr. Freeze. Je vais la lui reprendre. Pitié! À l'aide! Au secours! Restez là pour l'instant. Pas de problème, Batman. Il y en a d'autres. S'ils sont encore en vie, je les trouverai. Vous avez trouvé les autres? Allez, Batman, on est ici. T'as peur, la chauve pourrie? Attendez. Oh non, tu vas faire quoi maintenant? On ne t'avait pas dit ce qui allait se passer? Oh, désolé, on a peut-être oublié. Tu ferais peut-être bien d'aller chercher un ouvre-boîte. Enfin, te fatigue pas, rien ne passera par la porte de sécurité. Tu pourras pas entrer. Je ferais bien de faire demi-tour tout de suite et de foutre le camp d'ici. Ouais, tu pourras pas passer ce truc. C'est le meilleur matos de Wayne Tech. C'est fourni avec une garantie personnelle de Bruce Wayne. Il paraît qu'il est là aussi. Peut-être que tu devrais aller lui demander la combinaison. Eh, hey, qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il a une espèce d'ordinateur.
tu balises ou quoi? Comment il a fait ça? T'avais dit qu'il passerait pas. La ferme et pute-le. Tu me battras pas. Je vais te découper en petits morceaux, l'Américain. Ça prendra pas longtemps. Il paraît que t'as réussi à battre mon frère. Il a toujours été le plus faible de nous deux. T'as l'air très fort. Mais t'es loin de l'être, en fait. Je te tuerai d'une seule main. Tu pourrais me battre, moi. Il paraît que t'as réussi à battre mon frère. Je sais que tu bosses pour le ministère. Comment? Je veux dire, oui, oui, tu dis, me fais pas de mal, je vais tout te dire! Antidote. Où est-il? Oublie le clone. Je veux Cobblepot. Il a maintenu toutes mes armes. Je le tuerai pour ce qu'il m'a fait subir. Je m'occupe du pingouin. Toi, tu dois te concentrer sur l'antidote, ou des innocents vont mourir. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas terminer mon travail sans ma tenue. J'en ai besoin. Tout repose sur elle. Vraiment tout. Le pingouin se protège avec ton pistolet à glace. Comment le contrer? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Donne-moi une bonne raison de te le dire. Parce que si je n'arrive pas à le contrer, je ne récupérerai pas ta tenue. Réfléchis, Victor. Tu as mauvaise mine. Si tu disparais, qu'arrivera-t-il à Nora? Laisse ma femme en dehors de ça, Batman! Ne va surtout pas te faire de film. Nous ne sommes pas des amis.
Non ! Désolé, mais tu as choisi le mauvais jour pour m'agacer, Victor. Arrête ! J'ai caché une puce de sécurité dans ma tenue pour éviter qu'on retourne mes armes contre moi. Et ça a bien marché pour toi ? Pourquoi tu ne cherches pas, tout seul, comment pirater cette sécurité et comment arrêter notre ami le pingouin ? Je te remercie, Victor. Continue à travailler sur l'antidote. Je te rapporte ta tenue. Où est ma tenue, Batman ? Je nous croyais d'accord. Tu auras ta tenue, Freeze. Garde ton sang-froid en travaillant sur cet antidote. Salut Batman, tu m'entends ? Évidemment. J'ai pensé que t'aimerais un peu de distraction pendant que tu patines. Dis-lui ton nom, petit. Ah ouais ? Va te faire voir. Ah, on dirait que ce port a encore de l'énergie. Bien. Écoutons le Queenley. Ce que tu entends, c'est le bruit d'un policier infiltré, dont les doigts sont en train de geler en dessous de 0 degré. Tiens, je me demande ce qui se passerait si je prenais ce marteau. Waouh, mais quelle surprise! Toute sa fiche humaine a explosé. Cobblepot va entrer en guerre contre le Joker. C'était déjà terrible, mais là, il prépare un vrai massacre. Un homme de Cobblepot a dit que Mr. Freeze était enfermé dans la salle de guerre. Pourquoi il aurait une salle de guerre ? Ils utilisent un système d'imagerie thermique. Avec ce genre d'appareil, n'importe qui peut me repérer dans le noir. Pas de problème, monsieur Cobblepot, on s'en occupe. La tenue de Freeze est dans la boîte. Je l'ai sous les yeux, là. Vaut mieux, petit. Batman est en route et la dernière fois que je l'ai vu, il n'avait pas l'air très content. Mega et moi, on va pas le laisser s'échapper, monsieur. La tenue est en sécurité. Dites au gars que j'offre un bonus de 100 000 dollars à celui qui me le ramène vivant. Très généreux, monsieur. C'est comme si c'était fait.
Écoutez, le pingouin veut qu'on lui ramène Batman vivant. Il offre 50 000 $ à celui qui y arrive. Autant me filer la thune tout de suite. Il est à moi. Pas si je le vois le premier. Ça va être du gâteau. Aucun de vous n'aura le pognon s'il s'enfuit. C'est compris ? Protégez la tenue et surveillez les portes. C'est pour ça que Batman va venir nous voir. Peut-être. Si c'est pour ça, il n'aura rien du tout. Moi, je manque pas de sang-froid. Tu veux un peu de glace dans ton whisky? J'ai perdu l'un de vous, Fred. Ça doit cesser tout de suite. Vous avez entendu ce qu'a dit le pingouin, pas vrai? Y'a quelqu'un ici? J'ai encore un amateur par ici! Il reste plus que toi, fiston. C'est quoi? Cette fumée? Pousse pas. Je te dirai tout ce que je sais. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas encore arrêté Batman? Et le costume de Freeze? Répondez-moi! Je vous ai vu nettoyer la pièce. Super boulot, mec. Je m'appelle Tom. Tom Miller. Vous êtes dans l'équipe de Gordon. J'ai vu votre dossier. Vraiment? Je veux dire... oui, monsieur. Cobblepot a fait de cet endroit une forteresse. Quelqu'un nous a vendu... Les gars et moi, on a été capturés, amenés ici, et battus comme plâtre. Ça va aller. Il n'y a que deux d'entre vous qui restent introuvables. Et le salon de l'iceberg, alors? Cobblepot aimait nous y amener pour nous flanquer une raclée. Avec un peu de chance, c'est là qu'ils sont. Donc voilà la célèbre tenue de Freeze. Malheureusement. Oh, qu'est-ce que vous faites? Quand je partirai, attendez 10 minutes, puis apportez ça à Freeze. Il sera inoffensif. Pas de problème, Batman. Écoutez, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Batman a sauvé notre peau. À partir de maintenant, c'est chez nous ici. Personne n'entre ni ne sort. Et on s'en occupe quand du petit salopard qui nous a fait ça? Hein? Je veux une vengeance. Tu l'auras. On prend des flingues, on se tait ici le temps que Batman trouve le reste de l'escadron, et ensuite, on s'occupe du cas de Monsieur Cobblepot. Michaels, prends une arme et commence à patrouiller. Pas de problème. Sanchez, surveille l'entrée principale. Il faut qu'on sorte d'ici vivant, ok? Si jamais je vois un de ces enfants de salaud, il est mort. On fait ça dans les règles, les gars. C'est ce que Gordon voudrait. On vaut mieux que ces types.
quand même des foutus lance-roquettes. On dirait que la glace commence à fondre. Salut, Batman. Je sais que c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as enfin trouvé le courage de venir me voir? Eh bien, bonne chance. Le petit oiseau va sortir, Batman. Tu sais quoi, Batman? Celui-là, je te l'accorde gratuitement. Je suis bien trop Allez, loin. Allez, essaie un peu. Le système de piratage ne marchera pas. Aidez-moi! Allez, tire, bon sang! Qu'est-ce qui va pas avec ce foutu machin? Recule, recule! Tu es fini, Cobblepot. Non! Pardonne-moi, pitié, ne me fais pas mal. Je ne peux pas te le promettre, non. Moi non plus. J'ai essayé de t'aider, Batman. Je t'ai offert une chance d'arrêter tout ça et de t'en aller. Mais non, non. Il a fallu que tu joues les gros bras. Eh ben, devine quoi. Vu d'ici, tes bras sont minus. Oh, ne fais pas cette tête! J'ai une petite surprise pour toi, en quand j'ai acheté cet endroit. Il est très pratique. Qu'est-ce que tu fais? Ah!
Garde, le voilà qui revient. Non ! Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Ah, tu l'as vraiment bien cherché. Voyons voir un peu ce que cette ordure peut encaisser. Oh, ça a dû faire mal. Heureusement que ce crétin est frappé. Assez avec ces foutus explosifs. J'ai dit assez. Non ! Je ne crois pas que tu voulais faire ça, pour vrai. Bon, très bien. Tu as fait, espèce de sale. Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas. Et ben ça alors. Ce type est vraiment increvable. Antiquités, ne les touche pas. Non. Il n'y a plus que toi et moi. La chauve-souris contre l'oiseau. Peut-être devrais-je m'expliquer. Créer un antidote contre la maladie dont souffre le clone a été facile. Malheureusement, ce remède se dégrade trop vite. Il a besoin d'un élément fortifiant, d'une sorte d'enzyme reconstituant. Sans cela, il se désagrège avant de pouvoir aider le patient. J'ai déjà vu ça quelque part. Trouver l'enzyme appropriée n'est pas le seul problème. Il doit pouvoir s'adapter et se lier à l'ADN humain. Cela prendra des années. Et le temps est précisément ce qui te manque. Et si je te disais que je connais quelqu'un qui est exposé à cette enzyme depuis des siècles ?
Ah oui, qui? Il s'appelle Ra's al Ghul. Tu dois me l'amener. Tout ce qu'il me faut, c'est un échantillon de son sang. C'est ton seul espoir. Ra's al Ghul est mort. Alors toi et ce clone, vous êtes perdus. Pas tout à fait. Il faut que quelqu'un me dise où est son corps. Et je pourrai aller le réveiller. Blasphémateur, tu n'es pas digne de parler au grand Ra's al Ghul. Tu es un idiot, Batman. Tu as laissé ton dernier espoir. Non. Si Ra's al Ghul est Dark, comme c'était, j'ai maintenant une piste jusqu'à lui. You